Amis de la vape, bonsoir, c'est As sur Vape encore. Merci à tous là pour cette 16e vidéo, il me semble. Vous l'avez remarqué, grand changement, la plus de barbe, c'est fini. Vu que je viens d'avoir mon petit belléton qui est né le 27, j'ai fait barbe rase pour pouvoir lui faire des petits bisous, comme veut faire tout père à son enfant. Et donc voilà, bon, c'est pas le sujet des vidéos de ce soir. Le sujet de la vidéo, c'est suite à une commande sur Fastech, oui encore. Donc j'ai commandé des. Enfin, c'est mon épouse qui m'a commandé des mini ProTank. Alors la marque, c'est sans nom. Hein. Donc ces petites bestioles-là, pour dire comment ça se présente comme un mini ProTank. Hein. Rien de bien exceptionnel. Drip type propriétaire. Le dessous, la pièce avec le petit trou d'aération qui se trouve quelque part autour. Par s'il y a des reflets, tout ce qu'on veut, c'est pas évident. Bon, enfin, il y a un petit trou pour l'aération. Donc c'est en une seule pièce le bas, hein, mais autrement, quand vous dévissez cette partie-là, ça se présente exactement comme un protang dedans. Donc carin avec résistance en bas, vissé, les mêmes que sur les kangers. Donc c'est un lot. Hein. Donc vous recevrez des petites bestioles comme ça de plusieurs couleurs. Lot de 7. Là c'est version vert. Lorsqu'il y a de la vape, hein, on a déjà précisé la config. Config SVD avec l'ATO. Là il est rouge. Donc il est vraiment en fin de vie. Et donc pour les watts, enfin pour la résistance du moins, je vais vous indiquer ça. Il veut pas. Tous les coups. Si, c'est bon. C'est moi qui n'avais pas allumé. Normal, presque 5 h du matin. Bon, c'est l'heure où je me couche. Dans le bon sens, ça marche mieux. Donc, hop là, voilà. Je crois que c'est 2,3, 2,4. Et donc là, je vais pas à l'habitude des trucs en droitier à 9 watts. Donc dedans, j'ai un liquide de chez Liberty Flights. Et donc, c'est un liquide bubblegum qui est pas mauvais. Vapeur très correcte, un mini ProTank. Vapeur très correcte, surtout que là je suis en 100% propylène glycol. Voilà, il n'y a pas de glycérine dans ce liquide-là. Donc vapeur très correcte. Hein. Seule chose que je conseille, hein, je mettrai le lien, donc d'où les trouver, le pack en question. Seule chose que je conseille, c'est. Comme pour refaire les résistances, vous démontez le petit pion qui est au-dessus, la petite cheminée qui est sur la résistance, et vous retirez un ou deux petits bouts de mèche. Parce que je trouve que l'erreur qu'ils font, c'est de mettre ces petits bouts de mèche qui empêchent l'arrivée du liquide. Et d'origine, avant de retirer ces petits bouts de mèche, je me suis tapé un coup de chauffe, une rugue à sec, quelque chose de méchant. Et là, j'ai retiré un ou deux petits bouts de mèche. De soucis, hein. On peut enchaîner la vape dessus, ça y va nickel. Hein. Bon, le goût du 100% propylène, je suis pas super fan. Bon, enfin bon, ça reste raisonnable en vapeur. Ça a pas l'air trop dénaturé le goût du bubblegum. Voilà. Donc voilà pour ces petites bestioles là. Je vais pas vous faire un cours magistral dessus. Hein. 1,5 ml de contenance. Comme tout ce qui est ProTank en général, c'est super gourmand. Alors moi qui suis un gros vapeur, quand je dis gros vapeur, hein, je parle pas de la corpulence, je parle de la vape en général, donc je passerai mon temps à re-remplir ce truc-là. Donc voilà, vous savez à peu près tout, hein. Il y a une bonne restitution du goût, parce que j'ai testé aussi le liquide sur un ATO goutte à goutte, évidemment c'est pas le même goût.
mais ça reste un protank, il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise, hormis ce petit problème des mèches qu'on peut retrouver sur d'autres atouts du même style. Voilà, donc je crois que c'est 17$ les 7. En euros, ça vous le ramène en gros à, on va dire à 2 € le mini protank. Ceux qui ont des batteries, hein, moi j'ai regardé sur la batterie de mon épouse, ça tombe super bien dessus, ça a un bon rendu. Hein. Donc voilà, que dire de plus? Bah rien, je crois que j'ai fait le tour. Après, ce serait faire du vent. Voilà, bah, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une excellente vape et à très bientôt. Et surtout, une excellente année 2014. Au revoir.